ça lui peine pour le football qui avec. Non seulement les seniors à un péché, mais également les cadets. En maintenant les préparations, donc la match amical en Turquie face au Calédonie qui avait non pas fait le poids. Les cadets ont mordu le gazon du stade d'Antalya à deux reprises. Les buts et les réactions également sont à suivre dans les débats de foot pour débriefer et commenter ces deux réactions. Nous avons deux journalistes chevronnés de sport qui sont plus partisans. Ils sont, on pourrait le dire, deux grands joueurs. Le premier officier donc à la radio métropolitaine du Maroc, je vous salue, je parle pour le combat et avec nous, c'est là pour son bienvenue. Pour donner la réplique à vos grands parents, nous avons fait appel à notre président. Laissez-moi son retour, que j'ai appelé votre jour, je vous remercie de la réplique. Vous êtes prêts, nous aussi, donc avec les députés. Nous sommes en compagnie de Claude Ramba, de la radio métropolitaine du Grand Ouaga et de Lassina Sawadro, journaliste maison, pour débriefer les actualités du week-end. Ils sont autant que la première sortie officielle de Brahma Traoré avec les Sétalons A et la chute des cadets en match amical en Turquie face à la Russie. Nous vous présentons une fois de plus toutes nos excuses pour ces soucis techniques sonores et pour le retard du démarrage. Nous espérons que maintenant c'est rentré dans l'ordre et que vous allez pouvoir nous suivre maintenant dans de bonnes conditions d'écoute et d'image. Messieurs, donc, on est là, le ballon roule un peu partout, donc en Europe, en Afrique, vous n'êtes pas obligé, sauf au Burkina, où on a tenté donc de relancer la petite catégorie, mais là aussi, on a eu des difficultés. Claude, que s'est-il passé? C'est vrai que le championnat régional donc des petites catégories du Centre-Est donc devait être lancé, a été lancé ce week-end du côté donc de Tenkodogo. C'est vrai qu'il y avait 6 matchs au programme, mais finalement c'est un seul match qui a pu se disputer. C'est les U15 qui ont pu jouer. Renseignement pris, pour certains, c'est parce que l'information n'est pas passée, les clubs n'ont pas été mis au courant parce que on a un peu titubé dans l'organisation. Pour d'autres, non, c'est parce qu'il y a eu un boycott. Dans tous les cas, quand même, il y a eu un match qui s'est joué. C'est vrai que c'était prévu pour 7h30, mais finalement, c'est à 15h30 que les jeunes ont pu jouer. Et puis, on a vu la victoire donc de l'équipe
de, je crois, 4-0 sur Tenkodogo FC par rapport sur une équipe donc, de Tenkodogo Foot Academy. Voilà. Et, mais bon, il faut dire également aussi qu'il y a la question des licences. On joue avec quelle licence? Or, il y a des équipes qui ne sont pas affiliées au niveau de la fédération qui prennent part à cela. Donc, j'apprends qu'il y a encore toutes ces questions à régler. Et donc, pour ce premier match, l'équipe de Tenkodogo a joué sans licence. Et donc, selon le règlement, probablement que cette équipe pourrait perdre parce qu'il faut jouer avec des licences. Et la Ligue avait promis donc faire des licences au niveau donc, de la Ligue pour permettre donc, aux clubs non affiliés de pouvoir jouer. Maintenant, tout est une question d'entente. Hein. Il va falloir donc se comprendre et puis jouer. De toutes les façons, le football doit jouer. Et on espère que ça va rouler pour tout le monde. Gelson Fernandez est là. Le représentant, le monsieur FIFA Afrique est là. Donc, doit séjourner à Ouagadougou. Donc, il va rencontrer le club de Ligue 1 et de Ligue 2 jeudi prochain du côté donc, de la fédération. Sûrement qu'il va rencontrer la fédération. Sûrement aussi qu'il va rencontrer les autorités du ministère pour essayer donc de mettre tout ça en musique pour permettre évidemment que le ballon puisse effectivement rouler parce qu'on en a besoin. Merci Nassou. Vous attendez quoi donc de la visite de M. FIFA Afrique au Burkina? Écoutez, je pense qu'il y a une seule chose hein, qu'on peut attendre de cette visite, c'est de rapprocher les différentes positions et puis de faire en sorte que le ballon roule parce que c'est tellement laid, je pourrais utiliser ce mot-là, de constater que des enfants d'un même pays amoureux du football ne soient pas capables de s'entendre sur un minimum qui tourne autour de quoi 140 millions seulement pour combien, quand on regarde le nombre de licenciés hein, que cela implique aujourd'hui, c'est vilain d'entendre surtout un confrère t'appelle de l'assureur pour te demander pourquoi ça ne roule pas chez vous. Tu dis que c'est une affaire de 140 millions qui fait que ça ne roule pas. Et on est là, on est tous bloqués. Il n'y a pas de foot. Les joueurs ne s'entraînent pas. Ils n'ont pas de salaire pour certains. Il n'y a rien qui roule. Et on veut avoir des résultats. Et on veut pouvoir se mesurer à toutes ces nations-là dans le monde entier. C'est très difficile. Ça veut nous portera des fruits. Nous allons parler des étalons après ce jingle. Amdi Bado gâche la première de Brahma Traoré. Vendredi dernier, pour le compte de la journée FIFA de ce mois de mars, les Libyens font rater le coach au Burkinabé au stade du PSG de Casablanca. Les chevaliers de la Méditerranée ont pris le meilleur sur les étalons 2-1. Jean-Hud Bayala et Ibrahim Diallo sont nos envoyés spéciaux au Maroc. Diallo manqué pour les étalons de Brahma Traoré. L'équipe burkinabé est tombée face à des chevaliers de la Méditerranée, bien soudés. Devant leur public, les étalons débutent la partie avec une bonne organisation du jeu. Ousseni Bouda donne le ton sur ce corner mal repoussé. Dango Ouattara, à son tour, règle la mire, mais le gardien libyen est ferme sur ses appuis. Le Burkina domine son sujet, mais se montre comme trop souvent imprécis. Les Libyens, eux, sont chirurgicaux. 35e minute, Faisal Salé, oublié sur ce corner, ouvre le score pour la Libye. La défense burkinabé n'a visiblement pas bien révisé ses leçons de la CAN. Mais la Libye n'a pas le temps de savourer. Le Burkina remet aussitôt les pendules à l'heure. Franck Lassina Traoré déborde. Ousseni Bouda conclut pour l'égalisation. Première titularisation, premier but pour l'attaquant burkinabé. 1-1, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, la Libye repasse devant dès la 50e minute. Omar Al-Kaja envoie Kylian Nkema pêcher le ballon dans ses filets. Un nouveau cadeau de la défense des étalons qui réclame une faute sur Ousseni Bouda, mais l'arbitre valide le but. Les Libyens, malmenés dans la première partie, passent de la proie au chasseur. Ils ne laissent que des miettes aux étalons. Le chercheur lance Blati Touré et Kader Ouattara dans la bataille. Le jeune attaquant burkinabé, à peine entré, fait des sueurs froides dans la défense libyenne. L'entrée de Salif Tietieta dans le dernier quart d'heure ne changera rien au résultat. Les étalons s'inclinent 2-1 devant les Libyens. Malheureusement, on a pris une défaite ce soir. Mais je suis très content de mon groupe, du contenu du match. Et
on a vu que le système était, on était plus adapté au système au début du match. Et après, on a baissé de régime. On a encaissé le but, mais on a su revenir. Et en seconde période, on a entamé le match un peu plus, avec plus de difficultés. On a encaissé le deuxième but, on n'a pas pu revenir. Donc, on est déçu de la défaite, mais le contenu, on est fier de ce que le groupe a produit comme jeu. On espère continuer sur cette lancée. Pour Brahma Traoré et son staff, l'apprentissage commence. Et comme le disait l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell, il n'y a pas de secret pour réussir. C'est le résultat de la préparation, du travail acharné et de l'apprentissage de l'échec. Les étalons ont rendez-vous mardi prochain avec le Niger pour un second match test. Messieurs, vous avez suivi cette rencontre sur la RTB Zénith vendredi. Latina, vous avez été au plateau et puis Claude Romba, vous avez commenté le match avec Jean-Modeste Ouédraogo pour la première sortie de Brahma Traoré. Est-ce que vous êtes rassuré ou bien vous êtes un peu inquiet? Bon, j'attends de voir le deuxième match parce que bon, je pense qu'il y a eu trop de... L'avant-match aussi a peut-être conditionné un peu ce qui s'est passé. Il y avait quoi à l'avant-match? Non, on a compris un peu la polémique sur les... Finalement, hein, voilà, on aurait pu s'en passer. Parce Quelle que polémique? La polémique sur la mise à l'écart donc, de Bertrand Traoré, donc des capitaines et des vice-capitaines, on aurait pu s'en priver en faisant une bonne communication que peut-être qu'on n'aurait pas eu toute cette tambouille là autour. Finalement, on a essayé certains. Il y en a qui ont donné satisfaction, comme on peut dire, ou en tout cas on a eu des certitudes sur un certain nombre de joueurs. Il y en a encore, voilà. Et bon, le Burkina encore n'est pas encore sorti de son traumatisme sur les balles arrêtées. Ça encore, on le constate, ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire. Et il y a des automatismes qui ne sont pas encore au point. Peut-être que c'est la première fois qu'on se regroupe. Mais dans tous les cas, on attend de voir le deuxième match pour vraiment se situer, pour voir véritablement la patte Brahma par rapport donc, à l'état d'esprit des joueurs, par rapport donc, à l'engagement. C'est vrai qu'on peut voir que les étalons ont joué, mais je pense qu'ils ont dû quand même à un degré en deçà un peu de ce qu'on attendait d'eux et en deçà donc, des valeurs qui étaient là. Donc c'est ce que je peux dire. Lassina Saoudgo, Brahma a quand même... Il a été audacieux, il a osé. On a vu qu'il a fait rentrer Valentin Nouma. Vous l'avez demandé avant sur les veludes. Qu'est-ce qui vous a le plus aimé? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé donc lors de cette rencontre? Vous m'obligez à aimer des choses dans cette rencontre. Parce que vous me posez une question, vous me demandez d'aimer des choses. Parce que ce que je constate là, c'est une défaite. C'est une défaite d'entrée des étalons sous l'ère Brahma Traoré. Il a osé, on peut le dire de griffe, en se passant de certains joueurs. Il a osé en jouant avec Gustavo Sangaré et Stéphane Aziz qui... Quel est le résultat que ça a donné? Moi, j'attends encore de voir parce que quand on prend de tels risques hein, dans une rencontre, surtout quand on joue la Libye, qui n'a pas joué la Coupe d'Afrique des Nations, qui est en deçà du Burkina dans le ranking FIFA et CAF, on s'attend quand même à avoir un résultat. Quand j'entends le capitaine dire qu'il est content de son groupe pour ce qu'ils ont produit, Il est fier du contenu, même si le résultat n'a pas été au courant de vous. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est le résultat. Et même le contenu qu'on a vu, Claude Romba était au commentaire avec Jean-Maurice Pedrago, on a vu un contenu d'une première période beaucoup plus rassurante, mais on a oublié que cette équipe libyenne-là, elle est en train de se préparer. Elle aussi, elle veut revenir dans le quota du football africain, surtout en ce qui concerne les phases finales de la CAN. Nous qui sommes 11e africain, qui jouons contre la Libye, mais on a complètement déjoué en seconde période. Et ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal pour une équipe et un staff qui dit que non, on est rassuré pour certains joueurs, on les met de côté, on veut tester d'autres joueurs. Quand on n'a pas de certitude, on ne prend pas ce genre de risques. Mais c'est un match test, Lassina Saoudgo. Il va falloir bien qu'il teste certains joueurs pour pouvoir les mettre lors des sorties officielles. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais vous pensez qu'on s'attendait à avoir une défaite face à la Libye? Vous n'avez rien aimé. Non, mais là, mais je pense que quand même aussi, à un moment donné, il faut prendre des risques. Je dis parce qu'il a osé. Hein. Après tout, c'est le résultat qu'on regarde. Oui, mais c'est pour cela que je lui donne le bénéfice du doute parce que tout ce qui s'est passé, les à côté du match,
à mon avis, un peu pollué la situation. Parce qu'il y a eu beaucoup d'à côté, que ce soit les déplacements, il y a eu beaucoup de changements aussi. Voilà. Donc je pense que tout ça, ça a un peu déstabilisé. Donc à un moment donné, c'est un peu compliqué. Ça aussi, il faut reconnaître que les conditions dans lesquelles ça s'est passé. C'est pour cela que moi, je lui donne le bénéfice du doute. J'attends évidemment le deuxième match. On va l'écouter, et puis Franck, et puis on revient sur le plateau. Au-delà du résultat, c'est le contenu du match. Et bon, on était venu pour voir ce que ces jeunes joueurs étaient capables de faire. Bon, je pense que nous avons vu sur le plan du contenu, il y avait quelque chose. C'est vrai qu'il y a eu des ratés et toujours l'éternel problème des balles arrêtées. Mais nous allons continuer à travailler. Et je pense qu'il n'y a pas à se décourager. Et ce sont des jeunes joueurs qu'on avait ce soir, mais je crois qu'ils vont se bonifier chaque jour davantage. Et le fait de perdre ce soir nous met la pression déjà, donc on va travailler sereinement pour corriger nos erreurs constatées ce soir et pouvoir aborder ce match peut-être avec beaucoup de chance de notre côté. Oui, c'était compliqué l'automatisme, mais comme je dis, en travaillant, on va réussir à se comprendre sur le terrain. Il y avait beaucoup de nouveaux dans le groupe, sur le banc aussi. Et ouais, c'est le premier match. On va se régénérer puis aller pour le second match. Oui, c'est un nouveau groupe. On va essayer de jouer avec tout le monde, d'essayer de voir aussi ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui. Et on va voir mardi. Ouais. Mardi, c'est dans quelques heures. On attend tous la deuxième sortie des étalons A pour avoir une idée donc de ce que cette mayonnaise va produire au fil des rencontres. On a des anciens et des nouveaux. Il faut attendre que chacun prenne un peu ses marques. N'est-ce pas, la séance à votre goût? Oui, on peut le dire comme ça. Mais vous savez, quand on écoute un peu les premiers discours du sélectionneur depuis le Maroc, qu'il avait dit qu'il mettait l'accent sur la défense parce qu'il a constaté pendant la CAN qu'il y avait beaucoup de soucis en défense. Et après le premier match, on constate que les soucis restent, les soucis demeurent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un gros boulot. Et peut-être qu'il a minimisé l'étendue du chantier. Après ce match-là, il se rend compte que le chantier sera plus colossal au milieu de terrain, en défense, alors qu'on avait déjà un gros chantier qui nous attendait au milieu de terrain. Il a essayé l'attelage à Gustavo Sangaré et Stéphane Aziski. Ça s'est penché. Moi, je pense que lui, c'est déjà une satisfaction. Maintenant, il faut voir. Voilà qu'il y a quelque chose qui vous a plu dans ce match. Comment est-ce qu'on regarde avec Gustavo et Aziski? Est-ce que c'est possible qu'ils jouent ensemble dans cette configuration là? C'est une question qu'il faut se poser pour le moment, pour ce qu'on a vu pour cette première rencontre là, alors que les deux ne sont pas nouveaux, ils sont des anciens. Moi, j'attends encore de voir ce que ça va donner. On parle d'automatisme, alors que vous savez, on est dans un système, il faut le dire aux téléspectateurs, c'est les fenêtres FIFA. Peut-être qu'on a joué là, ils n'ont eu que 3 jours pour préparer le match face au Niger qui se dira demain. Et dès mercredi, tout le monde part dans son club pour jouer le week-end. On aura combien de temps encore en juin avant de jouer l'Égypte? Il faut dire, il faut faire comprendre aux uns aux autres que les automatismes là, il faut du temps pour les préparer. On sort d'une Coupe d'Afrique des Nations, on aurait préparé les automatismes, on n'a pas pu les préparer. On vient, on coupe complètement l'équipe en deux pratiquement, parce qu'il y a 12 joueurs qui ne sont pas là, et on veut reconstruire. Malheureusement, on n'a pas le temps de reconstruire. Et je ne pense pas que tous les téléspectateurs, tous les observateurs donneront autant de temps au staff pour reconstruire alors qu'on veut des résultats. Les résultats, on a besoin des résultats, pourquoi? Pour aller à la CAN au Maroc. Ce serait inadmissible qu'on ne parte pas à la CAN. On a besoin des résultats pour tenter de titiller l'Égypte dans notre groupe pour la Coupe du Monde. Voici les challenges qui nous attendent. Claude Romba, quand on regarde la rencontre à la première période, les Burkinabés ont tenu, c'était quand même un peu rassurant, mais à la deuxième période, on a commencé à flancher. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien c'est un défaut physique, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Les deux peuvent s'expliquer, mais en même temps aussi, il faut comprendre que quand on regarde le classement, tout ça, il faut tenir compte de ça. Et puis quand on regarde aussi Michou, qui est l'entraîneur donc, de cette équipe de la Libye, là, c'est un entraîneur qui a beaucoup bourlingué sur le continent, donc il connaît très bien. Donc il connaissait un peu cette équipe du Burkina Faso. Donc si vous avez remarqué, à première mi-temps, ils ont observé le Burkina, essayé de voir, et c'est en deuxième mi-temps
tant que la Libye maintenant a véritablement essayé maintenant d'asseoir son jeu, et c'est là où on a eu beaucoup plus de difficultés. Maintenant, on a beaucoup de nouveaux joueurs, hein. Il y a les automatismes qui ne prennent pas. Aujourd'hui, quand vous avez donc la défense qui est une défense totalement expérimentale, vous avez donc Kylian. Donc c'est expérimental. Donc à un moment donné, ça devient compliqué. Moi, il y a des certitudes qu'il n'y a pas. Non, je n'ai pas dit que c'était pas la CAN, mais quand vous regardez, vous avez Kylian. Qui est nouveau, qui était à la CAN, mais qui n'a pas joué. Après, vous avez Valentin Nouma qui est là, comme latéral. Vous avez aussi Cédric qui n'a pas trop joué à la CAN. Vous avez Nagalo qui est... Donc, quand même, il faut reconnaître que c'est une défense expérimentale. Mais de toute façon, à un moment donné, il va falloir jouer avec. Maintenant, moi, ce que j'attendais, c'est-à-dire que quand on a regardé les matchs de la CAN, c'est qu'il nous a donné beaucoup plus de certitudes et de choses, c'est le match contre l'Algérie, oui, avec le 3-5-2. Oui. Voilà. Moi, je m'attendais un peu en disant qu'il allait risquer. C'était peut-être de voir aussi, parce que tous les observateurs, quand vous regardez l'équipe du Burkina Faso, on se dit déjà que le Burkina joue en 4-3-3, en 4, voilà. Et donc, peut-être qu'en 3-5-2 aussi, pour essayer d'apprendre ce système-là, pour qu'on puisse aussi l'intérioriser. De toutes les façons, aujourd'hui, dans le football moderne, là, on est en train de changer beaucoup plus avec le système à 3. Donc, à un moment donné aussi, il va falloir y aller. Mais maintenant, est-ce qu'il avait les joueurs pour... C'est lui qui a le groupe, c'est lui qui sait un peu... Celui qui connaît, celui qui s'est entraîné avec eux, celui qui connaît ceux qui étaient prêts, ceux qui ne l'étaient pas. Et puis bon, voilà. Donc je pense que on va pas aussi. Maintenant, là où je suis d'accord avec Las, ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir quelque chose de son contraire. Si on veut construire, on se donne du temps. On ne fixe pas, on dit on veut rajeunir. Si on veut rajeunir, on peut faire l'impasse. Il faut choisir de faire l'impasse sur une des compétitions. On a vu les images, je le prends toujours, la Côte d'Ivoire avait fait l'impasse sur la CAN, mais ils sont à la Coupe du Monde. Donc, à un moment donné aussi, on ne peut pas vouloir faire tout ça là en même temps et avoir les résultats aussi en même temps. Soit au niveau de la fédération, on fait un choix de reconstruire parce qu'on veut reconstruire et on reconstruit, on fait l'impasse sur une des deux compétitions. Là, en ce moment, on a le temps de reconstruire pour aller. Mais si on dit qu'on veut aller à la Coupe du Monde, si on dit qu'on veut aller à la CAN, si on dit qu'on veut reconstruire, là, moi, je pense qu'il n'y a pas cet entraîneur-là qui va réussir cela. Non, ça, c'est pas possible. Il faut préciser que reconstruire et rajeunir, c'est différent. Parce que cette équipe du Burkina n'est pas du tout vieille. Elle n'est pas du tout vieille. À la Coupe d'Afrique des Nations, Claude des témoins, elle faisait partie des équipes les plus jeunes. Avec une moyenne d'âge de 24-25. On parle de rajeunissement de cette équipe. De cette équipe qui n'est pas vieille. Ça, c'est très important de le dire. Elle n'est pas vieille, cette équipe. Le plus âgé, c'était Adama Guira, qui était à 34, à 35 ans, qui n'est même plus là. Après cela, vous tombez sur 32 ans avec Youssoufou Dayo, 31 ans avec Steve Yago, pour arriver à 30 ans avec, je sais pas, Blati Touré. Et puis après, on a les 28, les 27, les 26 ans. 26, 25, voilà. Comprenez qu'elle n'est pas vieille. Merci, on a bien compris. À présent, donc, nous allons entendre le président de la Fédération burkinabé du football et le ministre des Sports qui ont tous deux suivi cette première de Bramadjan sur le banc des étalons A. On a assisté, comme vous l'avez vu, à cette confrontation amicale entre notre équipe, les étalons, et puis la Libye. On a vu une entame de marche où les étalons ont fait circuler beaucoup le ballon. On a vu beaucoup de mouvements. On a vu beaucoup de solidarité entre les joueurs. On a vu aussi qu'il y a des automatismes qui se sont créés. Maintenant, on a toujours le même péché de ne pas beaucoup marquer lorsqu'on a des occasions. Mais nous pensons qu'avec ce qu'on a vu et l'engagement qu'il y a et la profondeur aussi qu'on a vu, les automatismes qui restent vont se mettre en place afin que, avec les coachs, ils vont pouvoir travailler pour motiver. Vous avez vu que notre attaquant de pointe aujourd'hui, Lassina, qui n'a pas pu jouer la CAN, il était là, il est en train de reprendre. Et nous avons vu son état d'esprit avec ses coéquipiers. Donc ça augure de bonnes choses pour la suite. C'est ce que je peux dire. Je les ai vus dans les vestiaires. On n'a pas de blessés. Donc les coachs ont pu tirer des enseignements. Et c'est la première fois que ce trio est ensemble. Donc c'est leur première liste. Donc ils auront le temps d'ajuster ce qu'il y a pour que le mardi, on voit plus de buts sûrement. Non, j'ai vu une équipe remaniée avec de nouvelles entrées dans l'équipe. Et j'ai assisté à un match bien animé, une volonté de jouer. En tout cas, j'ai vu une équipe décidée.
c'est vrai qu'au-delà de la défaite, c'est une équipe qui se met en place. Et je pense qu'on peut continuer de regarder et de voir ce que ça va donner pour les prochains mois. Mais j'ai bon espoir parce qu'on sent, après la sortie de la CAN, une volonté de repartir sur de nouvelles bases pour reconstruire. Dans la durée, c'est un peu la mission de Brahma, c'est-à-dire nous construire quelque chose dans la durée. Et c'est dans cet esprit que nous sommes. Et bien sûr qu'ils ont la tête libre, ils l'ont toujours été. Nous, on ne se mêle pas de ce que les entraîneurs décident. Ils ont la liberté. Vous avez vu que c'est Brahma lui-même qui a composé son staff. Il a eu la liberté, c'est la première fois que ça arrive. Donc c'est lui qui a composé son staff. Donc c'est la volonté de faire confiance à Brahma, à l'expertise nationale, comme nous l'avons dit, et aussi de les laisser travailler. Sur ce point-là, je pense que nous sommes clairs et nets. Ils ont la responsabilité de l'équipe entière, donc ils sont libres de leur choix. Le moins que l'on puisse dire est que l'optimisme est la chose la mieux partagée entre le ministre des Sports, Boubacar Savadgo, et le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Poncé. Vous partagez également cet optimisme, Claude Ramba? On va attendre de voir, mais moi je pense que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Voilà, vous voyez un match amical encore, le ministre est là-bas, le président de la fédération. Bon, ils vont encore mettre la pression sur les gens. Après, quand les gens vont... ça va, c'est une manière aussi de les encourager. C'est non. Surtout la première de Brahma. Il faut quand même que les autorités soient là pour l'accompagner, pour qu'il sache que tout le pays est derrière lui. Non, si vous voulez, il faut les laisser construire. Laissez-les travailler sans pression. Après, on aura l'occasion de le faire. Vous pensez que le fait que les autorités soient là, c'est une pression? Bien sûr, chez les autorités, ça devient une pression. Chacun va vouloir aller parler au comment dirais-je. À un moment donné, on va dire que non, le ministre vient rencontrer les joueurs. Les joueurs disent qu'ils vont vouloir se concentrer. Le président vient rencontrer les joueurs. À un moment donné, il faut laisser l'équipe tranquille jouer et puis les gens vont apprécier. Si pour même les matchs amicaux, toutes les autorités vont suivre, à un moment donné, là, comment vous voulez que ça marche? Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a les Jeux africains où il y a plus de 15 disciplines. Voilà. Donc à un moment donné aussi, il faut pouvoir aussi accepter que c'est des grands garçons. Ils peuvent se débrouiller. Ils peuvent aller. Et puis bon, le président de la fédération est d'accord, peut-être. Voilà. Mais à un moment donné, quand on... Vous savez, mais Claude Ramba, oui, si mais... je vous prends sur le fait, comme ce sont des grands garçons, ils doivent pouvoir être au-dessus quand même de cette pression des autorités. Non, la pression même, d'où qu'elle vienne, on essaie de se protéger. Voilà. Voilà pourquoi, quand vous voyez, quand il y a les matchs, on met les équipes dans une bulle. Ils sont très loin, même aucune autorité ne vient là-bas. C'est vraiment les joueurs entre eux. Tout ça parce qu'il faut la pression, d'où qu'elle vienne, elle ne doit pas être... voilà, on va venir dire, il y a une réunion qu'on veut faire. Pourquoi cette réunion? Qu'est-ce que ça va donner? Et tout ça, c'est des pressions, ça va encore créer d'autres inimitiés. Donc pour moi, il faut laisser l'équipe travailler sereinement. Maintenant, là où je ne suis pas forcément d'accord avec le président de la fédération, c'est quand il dit oui, on a laissé tout le monde choisir. C'est la première fois que ça arrive, on va laisser le choisir. Moi, d'abord, cette composition de l'encadrement technique des étalons-là, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'il y en a même dans l'encadrement qui n'ont même pas encore fini leur formation. Voilà. Parce que nous avons affaire à une équipe nationale A. On ne va pas dire de non. Donc il faut regarder les CV. Vous allez regarder dans l'équipe nationale, l'équipe nationale, il faut aller chercher l'expertise là où elle se trouve. L'entraîneur peut être national, parce que ça peut être un choix. Il peut mettre mérité et tout ça. Mais le staff là, c'est un staff qui doit être renforcé par des compétences d'où qu'elles viennent. Ça doit pas être, je ne dis pas forcément des blancs, je ne dis pas forcément des noirs, je ne dis pas de nationalité, mais de la renforcer avec des capacités. Vous avez des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Quand ils arrivent, leur prise en charge, que ce soit au niveau physique, que ce soit à tous les niveaux, ça doit pouvoir correspondre à quelque chose. Mais si les joueurs, nous sommes des êtres humains, s'il n'y a pas ce petit quelque chose-là, si le rythme de l'entraînement n'a pas atteint le niveau qu'ils ont là-bas, effectivement, ça va baisser. Voilà. Donc, à un moment donné, à tous les niveaux, Brahma peut avoir chose, mais il faut que à tous les niveaux, ça soit renforcé. Et même, je trouve même que le staff est petit. Moi, je trouve que c'est un staff qui est petit par rapport à cette équipe des étalons. Petit en non seulement en nombre, mais également aussi en termes de qualité. Peut-être aussi donc, qu'on va le renforcer. Il faut renforcer et puis faire un attelage mixte
pour permettre d'avoir, de bonifier et de donner véritablement de la qualité à cette équipe et de donner véritablement les chances de pouvoir se qualifier, de pouvoir jouer et franchement. Même les staffs passés, donc, on avait renforcé l'équipe avec de l'expertise internationale. Tout à fait. Mais même quand on regarde le contenu, le national, ça, ça manquait aussi de buts. Ça manquait cruellement de buts comme la dernière fois. Mais est-ce, parce, est-ce ce que vous dites là, tiens, quand on regarde le fond du jeu, y a, ça manquait de buts, n'est-ce pas, Destin Sawadogo? Ça manquait de buts, oui, mais écoutez, moi, on l'a déjà dit ici, hein, les buts, c'est, ce sont les joueurs qui marquent les buts, hein. Si vous n'avez pas de buteur, de serial buteur, comme on le dit, vous ne marquerez pas de but. Hein. Alors, j'ai écouté les uns et les autres, on a dit que c'est vrai, Franck Lassina, on est content de le revoir. On est très content de le revoir à ce niveau. Il y a eu un but qui a été marqué. Mais c'est un tout. Hein. C'est un tout. Quand on regarde, vous parlez de but, on parle de but, mais quand on regarde depuis les cinq dernières années, le système de jeu des étalons, ce n'est pas des systèmes de jeu qui permettaient d'avoir beaucoup de buts. Quand on, le sélectionneur nous dit que son système de prédilection, c'est le bloc bas. Et le bloc médian, pour avoir des attaques de transition, dans ce genre de situation, vous ne cherchez pas, vous ne voulez, vous pouvez pas marquer beaucoup de buts. Vous allez peut-être marquer un but en transition, vous venez défendre votre but. Si jamais vous arrivez à faire le dos rond 90 minutes, vous avez gagné. Et c'est bon. Mais si vous êtes dans un système de jeu comme on le voit en Angleterre, où c'est ouvert, le tout ouvert, où on a envie d'aller tout ceci marquer des buts, on aura des buts. Mais pour le moment, on n'a pas pris la décision d'avoir un système où on est pratiquement le tout pour l'attaque. Ou en tout cas, l'attaque est l'élément fondamental de votre système de jeu. Quand ce n'est pas le cas, écoutez, c'est difficile. Après aussi, quand on regarde la plupart de nos attaquants, vous regardez les ratios qu'ils ont en club. Aujourd'hui, vous avez une attaque avec Dango, par exemple, qui a un seul but en club. Franck Lassina, c'est vrai qu'il revient, qui a marqué en amical à deux buts et qui a marqué avant cela. De l'autre côté, Ousseini Bouda, qui est aux États-Unis, on n'a pas véritablement beaucoup d'informations sur lui. Voici votre trio d'attaquants. Comment est-ce que vous voulez qu'il s'en marque des buts? C'est vrai que vous avez derrière Stéphane Azizki qui marque des buts en club. Mais il faut le rappeler tout le temps aux uns ou aux autres. Stéphane Azizki est dans un club au-dessus de la mêlée en Tanzanie. Et peut-être que ça lui donne cette possibilité-là de pouvoir être là au bon moment pour marquer des buts. Mais quand il vient en équipe nationale, je pense que ce n'est pas le même attelage pour lui. Du coup, pour avoir Stéphane Azizki tout feu, tout flamme, comme on le voit en club, c'est pas évident. Il faut souhaiter que peut-être que dans le système qu'on va mettre en place là, qu'on puisse permettre à Stéphane Azizki d'être dans des positions préférentielles en temps opportun pour pouvoir peut-être nous marquer des buts. De nombreux observateurs et supporters ont suivi cette rencontre au stade Pelgiégou de Casablanca. On va prendre leurs appréciations avant de revenir sur le plateau. Ils se sont bien comportés, les gamins. Et ce qui a manqué, c'est les automatismes. Vous savez que les automatismes, on ne peut pas travailler en deux jours. Si vous avez remarqué, les gens qui ont joué la CAN, il y avait Hermo et Guizavo qui ont commencé les matchs. Tous les jours, c'était de nouveaux joueurs. Mais je pense qu'ils se sont très bien comportés. Bouddha m'a satisfait. Et aussi Guizavo qui a montré encore qu'il est là, qu'il est un doyen de l'équipe. Il a pris l'équipe en main avec Edmond. Et aussi Nagalo qui a montré une très belle chose avec pas mal de sorties de ballons propres. Voilà, donc on a encaissé encore sur les balles arrêtées. Donc je pense que je suis très satisfait de l'ensemble. Des gens qui ont débuté, puis le retour de Lassina, qui m'ont aussi vraiment donné de l'espoir pour que l'avenir. Nous pensons que la rencontre était bien. Voilà, on a vu des joueurs très engagés. On a vu que sur le côté droit, il y avait vraiment de belles percées avec Dango Ouattara. En tout cas, la reconstruction est sur le bon chemin. Voilà, toutefois, on attend beaucoup d'eux parce qu'on croit qu'ils peuvent mieux faire et voilà, ils peuvent encore nous rendre très fiers. Voilà, notamment ceux qui sont venus en fait les regarder jouer. C'est vous? C'est pareil, c'était une prestation assez... Bon, en tout cas, on sait qu'ils peuvent faire encore mieux, donc on espère que la prochaine fois, ils seront encore plus dégourdis, qu'ils feront encore mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est une équipe qui est en reconstitution pour le premier match. Je me dis que ça va. J'attends le prochain match, en espérant qu'ils ne vont pas me décevoir. Pour ce premier match, franchement, quand on regarde les joueurs, leur détermination à vouloir peut-être se connecter d'abord sur le terrain. Déjà, quand on regarde la tactique, on a quand même espoir. On a quand même espoir, voilà. Et le staff également nous a totalement rassurés que c'est une nouvelle équipe qui est là. D'abord, on est en train de vouloir reconstruire. Donc, du coup, on a espoir et on attend de voir le prochain match. Sinon, franchement, ils ne se sont pas découragés. Malgré les tactiques et tout sur le terrain, on sent franchement qu'ils sont
sont tous déterminés. Voilà. Et quand on regarde les 19, franchement, ils jouaient bien. Et du coup, on a espoir que par la suite, tout se passera très, très bien. Beaucoup d'attentes pour la deuxième sortie de Burkinabé. Ce sera ce mardi face au Niger à 22h. Casablanca, et ce match sera en direct sur les antennes télé et radio de la RTB. Je suis toujours en compagnie de Claude Romba de la radio métropolitaine de Ouagadougou et de la Sinassa Ouagadougou. Quand vous regardez, vous avez suivi cette rencontre, la première rencontre avant donc le Niger. Vous allez nous donner vos tops et vos flops pour cette première sortie, Claude Romba. Mon top. Moi, je dirais Hussein Bouda quand même qui ou Sacha Bansé quand même qui Hussein Bouda, oui, il a marqué, il a été incisif sur son côté, il a été présent, il a fait des appels de balle, il était là. Je pense que quand même en termes de top, on peut lui concéder cela. Le seul top que vous avez, la Sinassa, vous avez combien de top? Et Sacha Bansé. Oui, j'ai trois tops. Hein. J'ai Franck Lassina Traoré pour. Ne serait-ce que pour son retour, et même il a joué 90 minutes. Je pense qu'il mérite qu'on l'encourage pour souhaiter que cela perdure surtout, hein, qu'il n'y ait plus de blessures entre-temps avec les étalons. J'ai aussi Sacha Bansé, hein, qui depuis un bout de temps était un peu à l'ombre. À l'ombre, on n'avait véritablement pas une idée claire sur sa valeur, mais je pense que depuis un certain temps, on constate que Sacha Bansé peut être un élément déterminant au milieu du terrain. Et puis, Ousseini Bouda aussi, pour le fait d'avoir marqué, d'avoir montré que il peut être ce joueur-là, ce joueur sur le côté, hein, qui peut nous être intéressant, parce que ça manquait véritablement à la CAN. On n'a pas trouvé des ailiers capables, hein, dans le 1 contre 1 de faire la différence. Je pense que ça peut être intéressant. Les trois, je ne donnerai pas de flop pour dire aux uns aux autres qu'on est là pour les encourager, à réussir. C'est vrai qu'on parle de construire dans la durée, mais en même temps, dans la durée, Christelle, le problème de la durée avec nous aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus accepter de ne pas aller à une CAN. On ne peut plus accepter d'aller à une CAN. Donc, en même temps, on veut travailler dans la durée. En même temps, il faut nous offrir des résultats. Sinon, vous connaissez la sentence. Claude Romba, vous avez des flops? Peut-être mon flop peut venir donc de la communication, hein, autour donc des étalons. Voilà, vous avez vu même comme le départ même de Edmond, comment ça a été fait. Alors que bon, l'information était là longtemps. Quand on est dans une situation comme ça, il faut communiquer rapidement pour ne pas laisser. Qu'est-ce qui s'est passé avec Edmond, voilà. Parce que tout le monde n'est pas au même pied d'égalité. Non, Edmond, je pense que c'est des arrangements. Ça arrive partout. Voilà, je pense que c'est des arrangements. On est dans une période charnière en Europe où les équipes sont véritablement engagées et tout. Donc je pense qu'il y a eu un arrangement. Et ça, il faut le dire, ça se fait partout. Il y a eu un arrangement entre donc le Bayer Leverkusen et l'équipe nationale pour permettre évidemment de jouer aux équipes de jouer un match. Vous savez, Edmond Tamsoba est encore dans trois compétitions. Tout à fait. La Bundesliga, l'Europa League et la Coupe d'Allemagne. Voilà. On aurait pu même se passer d'Edmond Tamsoba pour ces sages-là. Si on parle de reconstruction, on a laissé d'autres joueurs parce qu'on voulait qu'ils soient en forme. Edmond Tamsoba, qui est déjà sur le qui-vive, qui est déjà véritablement très, 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 très sollicité, est venu et il repart. Quand on n'a pas Issa Kabore, quand on n'a pas Steve Yago, vous voyez ce que ça fait à la fin. À la fin, même la gestion du groupe, à un moment donné, Tu comprends que vraiment, ça je dis, il faut donner le bénéfice du doute. On attendra donc sa deuxième sortie. Et en tout cas, Bramadjan et ses étalons sont en pleine préparation pour réussir cette deuxième sortie face au Niger. Il faut dire quand même que le Niger est un client assez régulier du Burkina, et le Burkina n'a jamais perdu devant le Niger. Ce soir, les garçons étaient à l'entraînement. On voit donc leur répétition avec nos envoyés spéciaux qui ne sont autres que Jean-Hugues Bayala et Ibrahim Diallo. Du Burkina Faso viennent d'achever leur dernier entraînement avant d'affronter le Niger ce mardi. Vous le voyez en image, les hommes de Brahma Traoré ont répété les dernières gammes. Objectif, parfaire les aspects défensifs et surtout améliorer les positionnements offensifs afin d'offrir un résultat positif face à cette équipe du Niger. Comme vous le savez très bien, notre péché mignon, c'est nos stratégies défensives. Nous avons fait des répétitions. Et sur le plan offensif et défensif, les stratégies offensives et défensives également, parce que encore il y a des problèmes. Voilà, donc
Sur le plan offensif également, comme je le disais dans l'animation, nous avons un peu travaillé parce que lors du dernier match, certains centres n'arrivaient pas ou ne sortaient pas du tout. Donc nous avons travaillé également les centres pour que nos attaquants puissent en tout cas avoir deux à trois occasions devant le but. Face au Niger, le chercheur entend tourner encore son effectif, mais tout en gardant un bon équilibre. Nous allons remplacer peut-être au départ trois nouveaux joueurs vont faire leur entrée pour le début. Et après, on verra. Mais nous espérons pouvoir utiliser 5 remplaçants voilà, si le match tourne bien. Voilà, nous allons mettre 3 remplaçants pour aussi voir. Nous voulons voir tout le monde, mais bon, pour ce match qui est décisif pour nous, parce que nous venons d'arriver, il ne faut pas prendre trop de risques. Donc, il faut se limiter à faire 3 remplacements au départ et ensuite voir s'il y a la possibilité de mettre 5 nouveaux pour terminer le match. À l'absence de Edmond Tapsoba, Adamo Nagolo devrait être le patron de la défense, mais pas d'inquiétude car la star, c'est le collectif. On a joué des matchs sans lui, donc je pense que, comme je dis, on a une équipe, donc ça peut... On peut contrôler, on peut s'aider entre nous-mêmes parce qu'il était avec nous ce jour passé, il nous a donné ce qu'il pouvait sur l'expérience, donc on a pu prendre ça de lui et c'est à nous maintenant de montrer sans lui et appliquer ça dans le match de demain. On espère aller pour la victoire parce que comme vous savez, on a perdu contre la Libye, c'était pas attendu. Donc je pense qu'on doit venir comme on a entamé le match contre la Libye. Beaucoup de concentration et puis beaucoup de solidarité entre nous. Parce que c'est un nouveau groupe, comme je l'ai dit, et on a besoin de tout le monde, les anciens, beaucoup plus, pour communiquer avec les nouveaux et avoir une équipe, pas un groupe, pour pouvoir gagner ce match de demain qui est très important pour nous. Burkina Faso Niger est prévu ce mardi à partir de 22h pour Brahma Traoré et son staff. L'objectif reste de faire un résultat positif. Et le chercheur sera en turnover contre la Libye. Il faudrait voir le maximum de joueurs. La Sina Sawadugo, pour demain, vous attendez quoi de Brahma Traoré? Vous dites qu'il sera en mode turnover, il y a des turnovers obligatoires. Quand Edmond Tapsoba part, il faut les remplacer. Et on espère que Yacouba Nasser Djiga pourra donc être associé à Adamo Nagalo derrière. Et puis après, les deux autres joueurs qui rentreront, peut-être Blatty. Parce qu'il a tenu son discours, il a dit que c'était un match important pour eux. Nous disons que c'était un match amical, mais déjà pour lui, il a la pression parce que c'est décisif. Il n'a pas envie de terminer ce stage avec 2 défaites à la clé. Avec juste raison, mais quand on est dans la reconstruction, on ne doit pas mettre le résultat au devant. C'est ce que moi je vous ai dit. Je vous ai dit que le Burkina, on a atteint un niveau où les résultats sont devenus importants. Importants, et on veut les résultats et on veut la manière. Et là, il faut qu'on puisse associer les deux. Demain, Edmond ne sera pas là. Nastassia Giga va jouer. Blatty hein, sera aussi là. J'ai un pincement. Je ne souhaite pas que Lassina joue encore ce match. Franck Lassina, pour ce qu'on sait de lui, il est en train de revenir à la compétition. S'il doit enchaîner 2 matchs en 72 heures, je ne pense pas que ce serait bien pour lui. Maintenant, si ce n'est pas lui qui joue, est-ce que le jeune Kader Ouattara pourra bénéficier d'un poste de titulaire? C'est aussi à voir. On n'a pas encore vu Régis Ndo aussi. Hein. Régis Ndo aussi qui mérite d'être vu. L'autre inquiétude, c'est de ne pas avoir la chance de voir tous ces joueurs qu'on a convoqués alors qu'on était parti pour pratiquement jouer 2 équipes différentes. Mais lorsque le résultat maintenant devient important, il faut faire des omelettes en cassant des œufs. Claude Romba, vous avez suivi donc la première rencontre. Qu'est-ce que vous pensez même du choix des deux partenaires? Parce que quand on regarde au classement FIFA, la Libye est 120e et puis le Niger 128e, alors que le Burkina est 61e. On s'attendait certainement à des résultats positifs de la part du Burkina pour les deux rencontres. Non. Moi, je l'avais déjà dit. Hein. Je pense que quand vous regardez, quand on étudie un peu ces équipes-là, c'est des équipes qui sont en train de monter.
Et donc aujourd'hui, avec le nivellement des valeurs, là, c'est assez difficile. Tout le monde prétend au niveau, à aller à la CAN aujourd'hui. Hein, donc il faut voir, ça a fallu de peu hein, pour les voir aussi à la CAN. Donc attention. Et c'est de bons sparring partners. Moi, je pense que c'est de bons sparring partners. Surtout que le Burkina a beaucoup de difficultés face au Niger. Donc je pense que, voilà, on a rencontré le Niger plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de matchs nuls aussi. Même s'il y a des victoires, c'est pas par de gros scores. C'est souvent à l'arraché. Donc c'est dire que c'est assez difficile. Et aujourd'hui, il y a des certitudes. On a vu qu'il y a deux types d'équipes au niveau du Burkina Faso. Il y a les étalons sans les capitaines et les vice-capitaines qu'on a dit. On voit un peu le niveau. Et il y a les étalons aussi avec. Aussi, on voit que le niveau aussi monte. Donc, tout ça, ça permet évidemment d'avoir une lecture sur ça. Mais dans tous les cas, Brahma a déjà la pression et c'est ce qui est dommage. Parce que quand on veut reconstruire, il ne faut pas vous mettre la pression du résultat. Match à suivre sur les antennes radio et télé de la RTB ce mardi à partir de 22h. Nous allons en Russie donc pour... en Turquie, du moins, pour suivre la deuxième sortie des étalons cadets. Ils sont revenus produits de leur expédition turque après avoir perdu 0-1 lors de la première confrontation. Les étalons ont sombré lors de la deuxième. Les Russes ont maté les étalons 3-1. On suit tout cela avec nos envoyés spéciaux du côté d'Antalya. Il y avait donc Rasmadi Sundi et Abdoulaye Kabouri. La réplique des étalons cadets n'a pas eu lieu. Une deuxième défaite en autant de sorties face à la Spornaïa cadette de la Russie en amical au stade Arslan Zekir Demirci Sport Complex d'Antalya. Et pourtant, les protégés de Brema Dravo étaient confiants avant le début de la partie. Dès l'entame, les Verts montrent de bonnes dispositions. Il s'ensuit alors une kyrielle d'opportunités mal exploitées. Ni Mohamed Dayou, ni le capitaine Apollilé Bougman ne parviendront à ouvrir le score. La défense russe est bien en place. Toute attente, les cadets burkinabés ont encaissé le premier but à la 41e minute. L'œuvre est de Efine Burkine. Menés, les étalons vont courir après l'égalisation jusqu'à la réplique. Lui, n'a zéro. Dans le second volet, les étalons cadets prennent le jeu à leur compte. Hafiz Mohamed Jouroumi, Hafiz Ouedraou, Mohamed Fofana, Azael Sinaré et Apollinaire Bougouma ne parviennent toujours pas à se tirer d'affaire. Puis, Ivan Fosrasor marque le but de l'équipe nationale de la Russie à la 57e minute. Le maître à penser de l'équipe nationale burkinabé, il y a du sang. La pression est sur la défense des bleus et blancs. La maladresse côté burkinabé est criarde. Sur un contre, l'un des nouveaux entrants, Daniel Kondakov, l'unique buteur à l'aller, va porter le score. Un autre remplaçant va se signaler. Mais cette fois-ci, chez les Verts, Shérif Ali Badra Baro, sur une action individuelle, réduit le score à 3-1. C'est la fin du match. Une fois de plus, les étalons cadets tombent devant les Russes de la catégorie. Nous avons été les premiers à avoir les occasions. Malheureusement, les enfants, dans la précipitation, n'ont pas pu scorer. Sinon, nous devons être devant. Et c'est les Russes qui devaient courir après le résultat. Malheureusement, on s'est fait avoir. Sur les détails, les premiers enseignements à tirer, bon, je pense que ça s'adresse à toutes nos autorités ministérielles comme fédérales. Voilà, quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Donc ça veut dire s'accorder, donner du temps, pour, surtout au niveau des cadets. Parce que c'est très très compliqué à ce niveau-là, quand on connaît que l'IRM et ainsi de suite qui apparaît. Il faut accorder du temps aux sélectionneurs pour qu'ils puissent faire réellement une bonne sélection. C'est dans les défaites comme ça qu'on apprend nos erreurs et on arrive à les corriger. Donc moi je peux dire qu'on ne va pas baisser les bras. Voilà, plutôt se relever et se servir de cette défaite pour pouvoir faire encore plus mieux. Les matchs aller-retour oui, à Antalya en Turquie montrent les bonnes relations entre la Russie et le Burkina Faso. Comme quoi, la coopération russo-burkinabé intègre de nombreux domaines, dont le sport. Cette double confrontation amicale est un exercice avant les prochaines échéances, notamment l'UFOAB.
À l'issue de cette rencontre amicale contre les cadets russes, des officiels ont bien voulu s'exprimer au micro de nos envoyés spéciaux. Ça a été une bonne leçon de deux footballs différents. Un football basé sur une fondation, une organisation normale, et un autre football basé sur la capacité individuelle. C'est-à-dire que, si vous avez vu, nous avons au Burkina aujourd'hui un football qui n'est pas encore construit, avec les petites catégories qui ont fini déjà avec la Coupe du Monde. Il y avait un élan de renouvellement qui devait se faire avec les nouvelles ICI 17, parce que nous avons le tournoi du FOA, une fois B. Et nous avons voulu faire ce regroupement pour gagner en temps déjà pour voir les premières pépites que nous allons avoir. Donc le coach, vous savez que nous n'avons pas encore signé le contrat avec le coach, donc l'intérim a été fait par la direction technique nationale, qui ont la capacité vraiment de coacher effectivement aussi. Donc il n'a pas eu le temps de desserrer les meilleures pépites que nous avons au FASO. Nous avons pris quelques-uns quand même avec les centres de formation que nous connaissons. Nous allons repartir sur la détection rapidement le plus possible parce que nous avons un tournoi à faire avant d'aller au jeu de l'IFOA. Techniquement, c'est un match qui était agréable. Nous avons pris beaucoup de plaisir à suivre le match. C'est une équipe qui est en formation et nous espérons que pour les prochains matchs, ils vont nous donner beaucoup plus de joie. Et c'était quand même un plaisir en tant que supporter de vivre ces moments de communion avec nos U17. Sina Sawadougou, quand on regarde ces deux rencontres-là, est-ce une surprise quand on sait que les U17 n'ont plus de sélectionneurs depuis octobre? Moi, je mets ça, cette rencontre-là, sur le couvert d'un match de gala. Un match de gala qui vient renforcer les relations entre la Russie et le Burkina. Ce n'est pas l'équipe nationale U17, parce que vous l'avez dit, hein, on bricole pas avec une équipe nationale. Voilà, quand on finit une compétition, on doit pouvoir s'asseoir, tirer les bilans, et puis surtout mettre en place un nouveau staff. Aujourd'hui, l'équipe nationale n'a pas de staff. On a pris un membre de la DTN, le préparateur physique, accompagné d'une autre personne pour aller coacher les garçons. Et quand on vous demande aujourd'hui comment est-ce que la sélection a été faite, ça a été fait pratiquement par cooptation. Alors que dans cette catégorie-là, il faut véritablement, comme l'a dit Papy, une véritable détection pour savoir quels sont les joueurs qui sont à même de représenter l'équipe nationale du Burkina Faso. Merci beaucoup, la sélection. En U17 est là, il y a du boulot. Claude Romba, quelle leçon tirez-vous donc à l'issue de cette vidéo? Qui veut aller loin, ménage sa monture, le gars l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez, toutes les équipes nationales n'ont pas de sélectionneur. Vous voulez qu'on avance comment? Avant même que ça ne finisse, vous devez renouveler, vous renouveler. Parce que, non, j'ai discuté avec des responsables qui ont dit que les sélectionneurs, là, quand ils finissent de jouer un match, c'est comme si on les payait pour rien. Quand on a ça déjà en tête, vous voulez qu'on avance comment? On a l'impression que quand l'équipe nationale, quand par exemple il n'y a plus de coupe là, les joueurs, les sélectionneurs, les entraîneurs ne font rien. Et ça c'est insultant pour le travail même du sélectionneur. Et je pense qu'il faut peut-être, il faut qu'on puisse avoir une vision plus lointaine, une bonne vision de notre football. On veut être un pays de football, mais je pense qu'on n'a même pas encore cette mentalité de football. Parce que derrière toutes les équipes nationales, on a désactivé tout, comme si c'était chose. Alors que bon, il y a des échéances qui sont là, comme si c'était banal. Vraiment, je pense que... Merci beaucoup, donc, Claude. On a ce qu'on mérite. Claude Romba, de la radio métropolitaine de Ouagadougou, merci à... Lassina Sawadougou pour vos analyses et vos éclairages. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. Ce mardi à 22h, soyez du rendez-vous de la deuxième sortie amicale du Burkina pour ses fenêtres FIFA. Ça sera face au Niger. Match à suivre en direct sur nos antennes télé et radio. Excellente et fructueuse semaine sainte à tous et à toutes sur la RTB Télé.